à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 13e dimanche du temps ordinaire. Nous imaginons bien Jésus sur l'autre rive, au bord du lac, au milieu de la foule. Jésus est tout autant l'homme qui sait parler aux foules que parler à des personnes en particulier. Il s'intéresse à tous les humains et à chacun en particulier. C'est leur vie qui l'intéresse, leur histoire, leur parcours, leur destinée. Sa parole n'est pas qu'un enseignement en général, un enseignement à appliquer, mais d'abord l'ouverture à la vie dans la rencontre et le dialogue. Tantôt c'est lui qui va vers les gens, tantôt il va au-devant. Lui, il est celui qui accepte l'imprévu en se laissant toucher, se laissant rencontrer. C'est ce qui se passe dans l'évangile de ce dimanche. Dans la foule, anonyme, Jésus est capable d'entendre la parole de Jaïr, ce notable juif qui, tombant à ses pieds, le supplie de venir imposer les mains sur sa fille malade. Que va faire Jésus? Il change son emploi du temps et se met en route. Et il va suivre ce père de famille jusque dans sa maison. Jésus accepte d'entrer dans l'histoire de l'autre, surtout quand son être est blessé. Mais, tandis qu'il va vers la maison de Jaïr, dans l'anonymat de cette foule, nous nous apercevons qu'il y a d'autres misères. Il y a cette femme désespérée qui, après avoir tout essayé pour guérir de ses hémorragies, vient comme en dernier recours toucher le vêtement de Jésus. Sans qu'il y ait une parole, un dialogue, cette femme est guérie de ses pertes de sang qui la rendaient impure et donc exclue de la vie sociale et de la vie religieuse de son temps. Notons l'audace de cet homme et de cette femme qui ont osé la rencontre avec Jésus. Notons aussi que cet homme et cette femme viennent interrompre le cours normal des événements. Le chef de la synagogue fait prendre à Jésus un chemin qu'il n'avait pas prévu. Et il le fait venir chez lui pour qu'il guérisse sa fille. Et la femme fait arrêter Jésus dans son cheminement lorsqu'elle touche son vêtement et qu'il a l'impression qu'une force est sortie de lui à son insu. Jésus ne reste pas indifférent devant la foi de ces deux personnages bien différents. Réentendons les paroles de Jésus. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal, sois sans crainte, crois seulement. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Ce qui est frappant, c'est qu'avec Jésus, chaque rencontre est une rencontre pascale. Lève-toi. Une rencontre où il est question de vie et de mort, où il est question de passage de la mort à la vie. Par sa présence aimante, Jésus redonne vie là où celle-ci était blessée ou endormie. Oui, Jésus est puissance de résurrection qui sauve et qui guérit. Oui, il illustre parfaitement ce que disait déjà le sage de la Bible. Dieu n'a pas fait la mort et ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Ou encore ce qu'écrivait l'apôtre Paul aux Corinthiens, Dieu ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais trouve sa joie dans ce qui est vrai. Et ce qui est vrai dans notre évangile, c'est la confiance, l'audace, la foi de cet homme et de cette femme. Crois seulement. Jésus attend de chacun de nous cette foi qui déplace les montagnes, qui déplace les regards, qui nous permet de voir plus loin et plus en profondeur, d'oser nous adresser à Dieu parce qu'il reste simple, discret au cœur de l'humanité, au-dedans d'elle, avec beaucoup de prévenance d'humanité, souvenez-vous, dans la maison de Jaïr.
Jésus met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Et avec beaucoup de délicatesse, il ajoute « Donnez-lui à manger. » Frères et sœurs, nous avons découvert dans cet évangile que rien dans nos vies n'est insignifiant sous le regard de Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.